سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ô prophète, pourquoi, pour faire plaisir à tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah a rendu pour toi licite? Allah est absoluteur et tout miséricordieux. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah a prescrit pour vous le moyen de vous dégager licitement de vos serments. Allah est votre protecteur, et c'est lui l'omniscient, le sage. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Quand le prophète fit une confidence à l'une de ses épouses, et que celle-ci s'en fut le divulguer à une autre épouse, Allah en informa le prophète, qui en révéla une partie et ne dit mot de l'autre. Informé, l'épouse dit: mais qui donc te l'a appris? Celui qui me l'a appris, répondit le messager, est l'omniscient, le parfaitement informé. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Si vous deux vous vous repentez auprès d'Allah, c'est que vos cœurs ont écouté la voix de la raison. Et si vous vous liguez contre lui, alors sachez qu'Allah sera son allié, ainsi que l'ange Gabriel et les meilleurs d'entre les croyants. Puis les anges, après cela, sauront le soutenir. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Il se peut, s'il divorce d'avec vous, qu'Allah lui donne de bien meilleures épouses que vous, des musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, qui prie et jeûne assidûment, ayant été déjà marié ou encore vierge. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh, vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres,
et qui sera gardé par des anges rudes et intraitables, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent ce qu'il leur enjoint de faire. Ya ayyuha alladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Ô vous qui avez mécru, n'invoquez aujourd'hui aucune excuse, car vous serez seulement rétribués selon ce que vous faisiez. Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ô vous qui avez cru, repentez-vous auprès d'Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur rachètera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, en ce jour où Allah évitera l'humiliation aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui. Leur lumière se déploiera devant eux et sur leur droite, et ils diront « Seigneur, veuille parfaire notre lumière. Pardonne-nous, tu es de toutes choses infiniment capable. » Ya ayyuha an-nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Sois rude avec eux. Leur séjour sera la géhenne. Et quelle affreuse destinée. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah a donné comme exemple aux mécréants celui de la femme de Noé et de la femme de Lot, lesquels vivaient sous l'autorité de deux de nos serviteurs les plus vertueux. Or, elles les trahirent en choisissant la mécréance, et leurs époux ne purent rien pour elles auprès d'Allah. Il leur sera dit « Entrez toutes les deux en enfer avec ceux qui vont y entrer. » وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah a donné comme exemple aux croyants celui de la femme de Pharaon, laquelle supplia « Seigneur, fais bâtir pour moi une maison auprès de toi, au paradis. Délivre-moi de Pharaon et de ce qu'il commet et sauve-moi des gens injustes. » أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Et aussi Marie, fille d'Imran, laquelle préserva sa chasteté et en qui nous insufflâmes de notre esprit. Elle crut fermement aux paroles
et au livre de son Seigneur, et fut du nombre des fervents.